Welcome to the 33rd annual Mayor's Environment Expo. As we come together from around the city, I would like to acknowledge that the Calgary area where the Bow and Elbow Rivers meet is a place of confluence, where the sharing of ideas and opportunities naturally come together. Indigenous people were the original caretakers of this land and the first champions of environmental conservation. This land is a home that we all share, and it's vitally important that we protect our home, our environment, by working together. What drives my optimism is seeing the innovation and commitment to climate action from all of you, our students. I will continue to amplify youth voices on the climate crisis, and I look forward to hearing your ideas. I hope this session sparks conversations and encourages all of us to take greater action in protecting our environment. Thank you all for participating. Bonjour, je m'appelle Steve. Je fais partie de l'équipe de Parc Canada dans le Parc national Banff. Cette partie des Rocheuses est devenue le premier parc national en 1885, mais son histoire a commencé il y a bien longtemps. Nous reconnaissons que le Parc national Banff fait partie du territoire actuel des Premières Nations signataires des traités numéro 6, 7 et 8, ainsi que le territoire des Métis. Les terres et les eaux du parc sont utilisées depuis des millénaires par les peuples autochtones pour leurs activités de subsistance, leurs cérémonies, leurs échanges commerciaux et leurs déplacements. Nous les remercions de leurs intendances continues et nous leur sommes reconnaissants de bien vouloir partager ce territoire avec nous. Alors, bienvenue à la quête de la conservation. Aujourd'hui, vous êtes des citoyens scientifiques et vous allez entreprendre une mission virtuelle pour trouver des espèces sensibles qui vivent dans le parc national Banff. Vous devrez utiliser votre sens aigu de l'observation, votre savoir-faire et votre connaissance du plein air pour réussir cette quête. Alors, à certains moments, je vais vous demander de faire un choix qui va orienter le déroulement de l'histoire. Pour obtenir vos réponses, on va utiliser Slido. Vous pouvez participer sur votre ordinateur portatif, votre tablette ou votre appareil mobile en utilisant ce code QR, ou en vous rendant sur le site slido.com. Inscrivez le code 777-8277 pour participer au sondage. Entre les sondages, vous verrez un message annonçant qu'il n'y a aucun sondage actif. Il y a un décalage de 30 secondes dans la diffusion, alors les sondages pourraient s'activer avant même que j'annonce les choix. Restez attentifs et gardez la page des sondages ouverte. Faites votre choix sur Slido dès que possible, puis appuyez « Send » envoyer. Et une fois que vous avez envoyé votre choix, vous verrez apparaître les résultats du sondage en temps réel sur votre appareil. On va retenir le choix qui obtient le plus de votes. Soyez prête à répondre vite pour que vos choix soient comptés. On va s'exercer un peu avant de commencer. Alors, tapez oui ou non pour répondre à la question. Avez-vous déjà visité le parc national Banff? Répondez oui ou non sur Slido maintenant. Le parc national Banff est celui qui accueille le plus grand nombre de visiteurs au Canada. Plus que 4 millions de personnes par année. Parc Canada est l'organisme du gouvernement qui en prend soin. Il s'occupe aussi de 47 autres parcs nationaux, d'un bout à l'autre du pays.
Sa mission est d'établir un équilibre entre l'activité humaine et la conservation de la nature dans les parcs. Wow, ok. Je vois que beaucoup ont répondu pour dire qu'ils ont déjà visité le parc national Banff. Que vous ayez déjà visité le parc en personne ou non, j'espère que vous aimerez notre visite virtuelle aujourd'hui. Alors, je suis ici, Steve, mais aussi c'est la modératrice Laurie qui est ici et on va ramasser vos questions enfin pour les répondre. Mais aussi aujourd'hui, pendant notre mission, on va utiliser l'application Seek. Vous n'avez pas besoin de cette appli pour participer à la mission aujourd'hui, mais c'est un excellent outil que vous voudrez peut-être télécharger plus tard quand vous explorez la nature pour vrai. C'est une application gratuite pour les enfants qui fonctionne sur les appareils mobiles. Si vous êtes dans la nature et que vous découvrez une plante ou un animal intéressant, vous pouvez en prendre une photo et Seek vous aidera à l'identifier. Vous pouvez aussi partager vos observations avec les utilisateurs de l'application iNaturalist, le parent de Seek. L'application vous aide à identifier ce que vous avez trouvé, mais elle donne aussi un coup de main aux scientifiques en réunissant de l'information sur la nature. Alors, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui, chers amis citoyens scientifiques? On va partir à la recherche de trois espèces qui ont besoin de votre aide. Premièrement, le pika. Voici des indices qui vont aideront à le trouver. C'est un petit mammifère. Il vit dans les piles de roches de la zone alpine et il mange surtout des plantes. Ensuite, on va chercher la truite fardée versant de l'ouest. C'est un poisson qui vit dans les eaux froides et propres. Il mange des insectes et des petits poissons. Le troisième animal que vous allez chercher, c'est le martinet sombre. C'est un oiseau qui niche près de l'eau sur des falaises ou dans les canyons. Il prend un seul œuf par année et il mange des insectes volants. Alors, il ne faudra pas oublier ces indices parce qu'ils vont vous aider à trouver les animaux. OK. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 30-35 minutes pour trouver le plus grand nombre d'espèces possibles. Je vais aussi réserver, comme j'ai dit, un peu de temps à la fin pour des questions. Alors, préparez-vous à voter quand je vais donner des choix. Êtes-vous prête? Allons-y, que la quête de la conservation commence. Le premier choix que vous devez faire aujourd'hui, c'est de décider si vous voulez commencer bien haut, dans la zone alpine, ou tout en bas, dans le fond de la vallée. Dans Slido, votez maintenant. Haut ou bas? Si vous choisissez haut, vous explorerez le sommet des montagnes, qu'on appelle aussi écorégion alpine. C'est un endroit où il y a beaucoup de roches et de glace. La vie dans l'écorégion alpine est très difficile, mais certains animaux fascinants sont spécialement adaptés et peuvent suivre là-haut. Si vous choisissez bas, vous vous retrouverez dans une vallée remplie de végétation qu'on appelle aussi écorégion montagnard. La vie et les déplacements sont beaucoup plus faciles dans la vallée. Alors, où est-ce que vous aimeriez commencer votre quête? Alors, voyons. Ah, là c'est les votes. Ok. Ouh, il paraît que un peu plus veut aller haut. Alors, allons-y. Alors,
D'aller bien haut dans les montagnes jusqu'à l'écorégion alpine, vous commencez à monter pendant votre randonnée sur la montagne après avoir laissé laissé derrière vous les derniers petits sables rabougris. Vous arrivez dans un grand pré et vous apercevez une mignon petite créature. C'est un mammifère. Il a creusé des tunnels sous la terre et il mange des plantes. Est-ce que c'est le pika que vous cherchez? Voici votre première chance d'utiliser l'appli Seek. Vous prenez une photo de petit animal. Seek prend quelques instants pour chercher dans ses algorithmes et vous montre la réponse. Ah! C'est un spermophile à menthe dorée. Pas un pika. Attendez. On dirait que le spermophile mendie pour obtenir de la nourriture. Vous avez bien quelques poignées de noix et de fruits sèches dans votre sac à dos. C'est 100% naturel. Ce serait parfait pour un spermophile, non? Alors, votre prochain choix. Dans Slido, choisissez nourrir ou pas nourrir. Offrez-vous un peu de nourriture à ce petit affamé ou décidez-vous plutôt de ne pas lui donner à manger, même s'il est vraiment mignon? Votez maintenant, nourrir ou pas nourrir. Un grand nombre d'animaux petits ou grands sont attirés par la nourriture des humains. Et comme il y a des millions de personnes qui visitent le parc national Banff chaque année, il est important que chaque visiteur comprenne la loi de la faune. La loi de la faune, c'est une série de bonnes habitudes que nous, les humains, on doit adopter pour que les animaux restent en sécurité et sauvages. OK. Il paraît que la majorité veut ne pas nourrir. Voyons, exactement. Bon choix. Il ne faut jamais donner ou manger aux animaux sauvages du parc national Banff. C'est une des règles les plus importantes de la loi de la faune. La nourriture des humains peut être mauvaise pour leur santé. Si on donne des collations aux animaux, ils pourraient devenir agressifs ou développer des mauvaises habitudes comme mendier quand ils voient les pique-niqueurs ou voler de la nourriture dans les campings. De toute façon, c'est contraire à la loi. Contraire à la loi. Et vous pourriez devoir payer une amende salée. Il vaut mieux laisser les animaux sauvages trouver leur propre source de nourriture naturelle. Vous continuez maintenant votre randonnée dans l'écorégion alpine. Plus vous montez, plus il fait froid et plus il vente. Vous arrivez à une fourche dans le long de sentier. D'un côté, vous voyez un glacier. C'est un énorme morceau de glace qui reste sur la montagne année après année. De l'autre côté, vous voyez une pente de roches pêle-mêle. Il y a quelques plantes qui poussent ici et là. Faites votre choix dans le sondage Slido maintenant. Est-ce que vous allez enquêter sur le glacier ou plutôt sur les roches? Presque la moitié du territoire du parc national Banff est fait de roches, de glace et de prés au sommet des montagnes. Ça s'appelle l'écorégion alpine. C'est un endroit où il peut être vraiment difficile de survivre. Il fait trop froid et il y a trop de vent pour que les arbres puissent pousser. Et l'été dure seulement 2 mois. Alors les animaux qui vivent ici doivent être spécialement adaptés pour survivre à des conditions aussi difficiles.
OK. La majorité ont choisi roche. Allons-y. Ici, les roches sont instables et il y a beaucoup d'espace où des petits animaux peuvent se cacher. Il y a aussi beaucoup de plantes qui poussent entre les roches. Et dans le pré qui se trouve tout près. Cette haute pente rocheuse devrait être un habitat parfait pour le pika. Pouvez-vous voir des signes de sa présence? Qu'est-ce que vous voyez dans la photo du milieu? On dirait un touffe de plantes séchées. C'est la meule de foin d'un pika. Bien trouvaille, belle trouvaille. Les plantes poussent seulement pendant 8 semaines par l'année dans l'écorégion alpine. Alors, pendant cette courte période, les pikas travaillent fort pour rassembler des piles de végétaux et les faire sécher. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Sur Slido, choisissez meilleur ou plus tard ou les deux. Est-ce que les plantes séchées ont un meilleur goût ou sont meilleures pour la santé? Ou est-ce que les pikas préparent simplement une collation pour plus tard? Qu'est-ce que vous en pensez? En passant, saviez-vous que le pika est le plus petit membre de la famille du lapin? C'est une famille d'animaux qu'on appelle lagomorphes. Les pikas sont de vrais petits fermiers. Ils passent la journée à ramasser de l'herbe et des plantes. On peut entendre leurs petits cris aigus quand ils queutent les prédateurs ou quand ils défendent leur meule de foin contre d'autres pikas. Alors, si vous avez dit meilleur, vous avez raison. Certaines plantes récoltées par le pika peuvent être dangereuses pour la santé et elles sont mangées fraîches. Si elles sont mangées fraîches, oui. Mais une fois séchées, les toxines se décomposent et les plantes peuvent être mangées sans danger. Sans qu'on sache trop comment, les pikas savent quelles plantes ils peuvent manger fraîches et lesquelles qu'ils doivent faire sécher. Mais si vous avez dit plus tard, eh bien, vous avez raison aussi. Même s'ils vivent dans un endroit très froid, les pikas n'hibernent pas. Ils restent actifs dans leur tunnel sous les roches et la neige pendant toute l'année. Alors, il faut qu'ils emmagasinent assez de nourriture pour pouvoir survivre au long hiver. Et si vous avez voté tous les deux, et j'ai vu que la plupart ont fait ça, vous avez double raison. Alors, est-ce que quelqu'un peut devenir ce que c'est? C'est du caca de pika. Et il y en a deux sortes. On va y aller y jeter un coup d'œil pour voir les différences entre les deux. Ces boulettes sont mouillées, noires et filamenteuses. Elles sentent le gazon fraîche coupé. On trouve très peu de boulettes comme celle-là. Ces boulettes-ci sont par contre brunes et ont une texture fibreuse. Elles sont séchées. On trouve beaucoup de cette sorte de boulettes. Les pikas mangent les plantes et en digèrent seulement une partie. La première fois, ils excrètent ces boulettes noires, mouillées et filamenteuses. Ensuite, ils mangent de nouveau pour en tirer encore de plus des éléments nutritifs. Et c'est comme ça que les pikas profitent au maximum de leurs ressources limitées. La deuxième fois qu'ils mangent leur nourriture, le caca ressemble à des boulettes sèches de couleur brune. Les pikas ne les mangent pas parce qu'ils ont déjà tiré toute la valeur nutritive possible. Mes amis, il ne faut surtout pas essayer ça à la maison. Les humains ont un système digestif différent de celui des pikas et vous tomberez gravement malade si vous tenez l'expérience. Si vous
tentiez l'expérience. Alors, vous savez maintenant que des pikas sont passés par ici parce que vous avez trouvé le crotte et des meules de foin. Et maintenant, vous regardez attentivement la pente rocheuse pour essayer de trouver un pika. Ouh, il n'y a rien qui bouge sauf le vent. Où sont passés les pikas? Vous savez que les pikas doivent vivre dans un endroit où il fait froid. Le changement climatique réchauffe le sommet des montagnes plus vite que les autres parties de la planète. Dans Slido, choisissez haut ou bas. Cherchez-vous les pikas plus haut ou plus bas sur la montagne? La fourrure épaisse du pika est comme une grosse parka en duvet qu'il porte à longueur d'année. Avez-vous déjà porté un manteau d'hiver par une journée d'été chaude? Pas très confortable. Et ça peut même être dangereux pour votre santé si vous n'êtes pas capable de vous rafraîchir. Les pikas peuvent souffrir de coups de chaleur à des températures de plus de 25 degrés Celsius. C'est pour ça que le réchauffement climatique dans leurs habitats peut devenir un gros problème pour leur survie. OK, beaucoup plus ont choisi plus haut que plus bas. Alors, allons-y. Bon instinct. Même si les sommets des montagnes se réchauffent plus vite que les autres parties du parc, tout est relatif. Le sommet des montagnes reste l'endroit le plus frais du parc national Banff. Comme les pikas ont besoin de froid, ils migrent plus haut dans l'écorégion alpin au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Oh! Il y a un pika ici quelque part. Le son aigu qu'on vient d'entendre, c'est son cri. Pouvez-vous le voir? Wow, les pikas se font vraiment dans le décor quand ils restent immobiles. Alors, préparez-vous à répondre sur Slido. C'est votre chance de prendre une bonne photo du pika persique. Comment est-ce que vous allez procéder? Devriez-vous essayer de vous en approcher ou rester loin, immobile et silencieux? Choisissez proche ou silencieux. Les pikas sont bien camouflés sur les roches. Ces petits animaux servent de nourriture aux rapaces et aux belettes. Alors, ils guettent toujours les prédateurs. Ils poussent un cri aigu et fort pour alerter leur famille s'ils sentent du danger. OK, vous avez dit restez silencieux. Et c'était un bon choix. Le meilleur moyen d'observer des animaux sauvages sans déranger, c'est de rester immobile et silencieux. Vous utilisez votre téléobjectif pour obtenir une superbe photo à afficher dans SIC. Bravo, vous avez réussi. Vous téléchargez votre observation. Maintenant, les autres amoureux de la nature pourront voir où vous avez trouvé un pika. Cette information pourrait aider les scientifiques à étudier les pikas et à sauvegarder leur habitat. Beau travail! Alors, il nous reste encore du temps pour chercher une autre espèce. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Aller vers le glacier ou retourner au fond de la vallée?
Jusqu'à maintenant, c'est un concours assez égal. Oui. Alors, vous avez voté. Nous allons à la vallée. OK, vous avez choisi d'explorer le fond de la vallée qu'on appelle aussi écorégion montagnard. Le fond des vallées représente seulement 3% du territoire du parc national Banff, mais c'est là qui vivent la plupart des plantes et des animaux. Il fait plus chaud ici. Il y a beaucoup d'eau douce et la météo est beaucoup plus clémente qu'au sommet des montagnes. Ouvrez votre sondage Slido maintenant. Décidez-vous de faire une recherche dans le marais ou voulez-vous explorer la forêt? Choisissez forêt ou marais pour faire votre choix. Dans la forêt, vous trouverez beaucoup d'arbres. Il y a des bons abris pour les animaux et toutes sortes de sentiers qu'on peut explorer ensemble. Il y a de la boue dans le marais, mais c'est un endroit fascinant parce que même si les milieux humides occupent seulement une petite partie du territoire du parc national Banff, ils abritent énormément de vie. Bon, il paraît que nous allons à la marée. OK. Alors, vous voici sur la boucle du marais au pied de Mont Sulphur. C'est peut-être ici que vous allez trouver la truite fardée du versant de l'ouest. Vous vous souvenez de la sorte d'eau qu'elle préfère? De l'eau froide et propre. Vous avez apporté un petit thermomètre. Alors, vous prenez la température de l'eau peu profonde du marais. 25 degrés, c'est pas mal chaud. Quelle est la température optimale pour la truite fardée versant de l'ouest? Vous faites la recherche. Wow, ça dit que la truite fardée ne peut pas survivre à des températures au-dessus de 20 degrés Celsius. L'eau chaude du marais serait mortelle pour elle. Mais pourquoi est-ce que l'eau du marais est si chaude? Eh bien, la boucle de marais se trouve au pied de Mont Sulphur. Si vous avez déjà visité le parc national Banff, vous vous souvenez peut-être que le Mont Sulphur a quelque chose de spécial qui pourrait expliquer pourquoi la température de l'eau est si élevée. Je vous donne un indice. Vous êtes peut-être déjà allé vous y baigner. Des sources thermales. C'est ça. Le Mont Sulphur a des sources thermales naturelles qui bouillonnent et c'est cette eau chaude qui coule jusque dans le marais et qui réchauffe l'eau. Alors, on n'a aucune chance de trouver les truites fardées versant de l'ouest ici. Mais on dirait qu'il y a une autre chose qui se passe. Il y a un groupe de gens qui cherchent quelque chose dans le marais. Aimeriez-vous leur demander ce qu'ils cherchent ou retourner dans la forêt? Choisissez gens ou forêt. Les gens ont l'air de faire du travail scientifique. Ils tiennent des épuisettes et portent des gilets de sécurité. Ils ont l'air sympathiques. Mais la forêt fraîche et ombragée paraît invitante elle aussi. Est-ce que ça vaut la peine de faire un petit détour pour explorer le marais? OK, il y a juste un peu plus qui veut voir qu'est-ce qui fait les gens. Vous approchez des gens
dans le marais et il vous explique qu'ils cherchent des œufs amphibiens. Ils font un bioblitz. Un bioblitz, c'est un événement où des experts dirigent des groupes de bénévoles, des citoyens scientifiques comme vous, pour enregistrer des observations dans la nature. Ils vous invitent à vous joindre à eux. Vous leur dites « OK, mais juste pour quelques minutes ». On a entrepris une quête pour travailler la truite fardée-versant de l'ouest, le pika et le martinet sombre. Mais vous ne savez jamais ce que vous pourrez trouver. Vous regardez le marais de près et vous remarquez un minuscule escargot de la taille d'un pépin de citron qui avance sur une feuille dans l'eau. Vous le prenez en photo. Et votre appli SIC vous dit que c'est une fille des fontaines de Banff. C'est une autre espèce en péril de Banff National, Banff Parc National, et elle est classée espèce en voie de disparition. En fait, c'est le seul endroit sur la planète où elle existe. Les fils sont plus faciles à voir dans les sources thermales de lieux historiques National Cave and Basin, mais des fois, comme maintenant, on peut aussi en voir dans les envoir dans le marais. L'eau des sources thermales qui alimentent le marais est assez chaude pour le permettre de survivre même aux hivers froids du parc national Banff. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir que la petite coquille est courbée vers la gauche, alors que chez la plupart que les autres escargots, la coquille est courbée vers la droite. Le dirigeant du BioBlitz vous félicite d'avoir observé une espèce aussi rare. Bon, il faut revenir à votre quête. On a encore du temps pour explorer, oui, un peu de temps. Ouvre votre sondage Slido et choisissez écorégion alpine ou forêt maintenant. Vous avez trouvé la fille des fontaines de Banff, une espèce en voie de disparition. N'oubliez pas, votre mission aujourd'hui, c'est de trouver un pika, on a déjà fait, un martinet sombre et une truite fardée de versant de l'ouest. L'heure avance. Pensez aux indices pour trouver chaque animal et faites votre choix. Ouh, c'est proche, mais vous avez choisi d'aller aux régions alpines encore. Alors, on a déjà vu les roches allant à la glacier. Vous approchez du glacier. Vos bottes font craquer le gravier meuble et mouiller sous vos pas. Un vent fort et froid traverse vos vêtements et fouette vos cheveux. Il y a très peu de plantes qui poussent ici. Vous regardez ici, là et là, mais vous ne trouvez pas de signe de présence de la présence de ces espèces que vous trouvez. Alors, voulez-vous retourner sur vos pas ou explorer la pente roche? On a déjà fait ça. Ou suivre le ruisseau. Alors là, on suit directement cet ruisseau. Il y a pas mal de plantes qui poussent entre les roches. Ça pourrait être bon habitat pour un petit mammifère. Qu'est-ce qui se passe? On veut voir le ruisseau. Voilà. Vous descendez avec difficulté sur des amas de roches et vous pouvez voir un petit lac entouré d'arbres un peu plus loin au bas de la pente. Vous arrivez au bord du lac. C'est joli. Il y a un beau coin pour vous reposer. La randonnée a été longue et vous commencez à avoir faim et soif. Vous vous asseyez sur un rocher et vous ouvrez votre sac à dos. Vous avez une bouteille d'eau, votre mélange de noix et des fruits séchés préférés, une pomme juteuse et une banane. Vous buvez l'eau et vous mangez la pomme et la banane. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
du cœur de pomme et de la peau de banane. Dans Slido, choisissez laisser ou rapporter. Le cœur de pomme et la peau de banane sont des matières naturelles. Ça devrait simplement se décomposer, non? Vous regardez autour de vous. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pommiers ou de bananiers dans les parages. Alors la pomme et la banane ne sont pas des plantes qui poussent naturellement dans l'écorégion alpine, mais elles sont biodégradables. Quel dommage est-ce que ça pourrait causer? Ça serait complètement différent si vous laissez traîner une bouteille d'eau ou un emballage plastique, non? Eh bien, vous avez choisi rapporter et c'était un bon choix. Même si les peaux de banane et les cœurs de pomme sont biodégradables, ils ne sont pas à leur place à côté d'un sentier. Ils pourraient attirer des animaux et créer des problèmes pour d'autres randonneurs. Vous vous souvenez de la meilleure chose à faire, rapporter tous vos déchets. Ça permet à nos parcs de rester beaux et en santé pour tous les visiteurs. Et maintenant, c'est le temps d'inspecter le lac pour trouver des indices de la présence des poissons. Les lacs alpins sont isolés et reçoivent rarement la visite des humains. Ils peuvent être importants, un refuge pour des espèces de poissons sensibles comme la truite fardée de versant de l'Ouest que vous cherchez aujourd'hui. Peut-être en trouverez un aussi. C'est quoi le meilleur moyen de chercher des poissons? Marcher dans le lac pour les chercher directement ou utiliser un appareil photo à l'épreuve de l'eau? Votez sur Slido. Parc Canada emploie différentes techniques pour observer la faune. Certaines sont très simples. Par exemple, on peut chercher des pistes d'animaux fraîches dans la neige. D'autres techniques sont axées sur la technologie, comme des appareils photo et des colliers GPS. Tout dépend de la situation. Et qu'est-ce que ce sera dans ce cas ici? OK. Il paraît qu'on veut utiliser notre photo. Oui, excellent. Parc Canada utilise souvent des appareils actionnés par le mouvement pour observer des animaux sauvages sans les déranger. Vous attachez un appareil photo à l'épreuve de l'eau sur une roche dans le lac. Oh là là, que l'eau est froide. Et regardez comme elle est propre aussi. Tout ça, ça vous dit que c'est un bon habitat pour le truite fardée versant de l'ouest. Vous vous détendez près du lac et vous profitez du paysage pendant un petit moment. Ensuite, vous retirez l'appareil photo de l'eau pour voir les images. Excellent. Il y a des poissons dans le lac, c'est certain. Mais est-ce que ces poissons sont des truites fardées versant de l'ouest que vous cherchez? Ou est-ce que vous avez affaire à une espèce introduite comme la truite arc-en-ciel? Dans un grand nombre de lacs et de rivières du parc, la truite arc-en-ciel gagne la bataille du territoire parce qu'elle peut vivre dans des eaux plus chaudes et qu'elle commence à se reproduire plus tôt que ses cousines. Mais la truite arc-en-ciel ne peut pas se rendre jusqu'à certains lacs alpins très éloignés. Alors les truites fardées ont l'habitat à elles seules. Vous comparez les poissons de la vidéo à ce dessin d'une truite fardée versant de l'ouest. Vous remarquez que sur le dessin, la truite porte une marque rouge sous la mâchoire. On dirait du maquillage. Ah ah! C'est de là que vient le nom truite fardée. Alors, de l'angle où la vidéo a été tournée, vous avez du mal à voir la marque rouge sur la mâchoire du poisson. Alors, vous téléchargez une image dans SIC pour voir si l'application peut l'identifier. Ça semble bien être le poisson. Bravo! Vous avez trouvé la truite fardée versant de l'ouest.
Bien fait. OK. Il paraît que nous avons pas plus de temps pour rechercher et découvrir d'autres. Alors, allons à la fin pour dire un au revoir. Mais bon travail tout le monde. Vous avez trouvé le pika et la truite fardée version de l'Ouest et un autre jour peut-être le martinet sombre. Et vous avez enregistré de très bonnes observations dans l'application SIC. Notre récit était rempli de choix à faire. Chaque jour, vous faites des choix sur la manière de traiter notre monde nature. Souvenez-vous de la loi de la nature, la loi de la faune, qui permet aux humains et aux animaux sauvages de rester en sécurité. Les parcs nationaux sont des endroits qui protègent les espèces sensibles et on a besoin de l'aide de tout le monde pour réussir. Bon, alors, merci d'être vous joint à nous aujourd'hui et on va répondre à quelques questions si vous en avez. Alors, tapez vos questions dans le questions et réponses fenêtre. Et on va demander à Laurie s'il y en a des questions. On entend des questions des étudiants, mais j'ai une question, Steve. Oui. Que pouvons-nous faire pour aider la faune du Parc national Banff? Bon, alors, on peut, une chose qu'on peut faire, c'est de connaître quels animaux sont là et lesquels veulent notre aide. Et vous avez commencé ça aujourd'hui. Vous pouvez visiter le parc pour connaître plus. Mais aussi, on peut dire aux autres de ramasser la poubelle pour que c'est très propre et ça donne des bons indices aux autres pour ne pas laisser la poubelle aussi. Parce que quand tout est très bien propre, c'est plus facile de laisser propre aussi. On peut aussi ne pas nourrir les animaux. Et ça, c'est une autre façon de faire ça, c'est de ne pas laisser la poubelle. Pas juste donner avec la main, ne pas donner avec la main la nourriture aux animaux, mais pas laisser des choses qui ne sont pas naturelles par terre. Super. On attend encore des questions des étudiants, mais j'ai une autre question. Où est-ce qu'on peut trouver quels sont quelques animaux qui sont des animaux, des espèces menacées dans le parc national de Banff? Menacées, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de ces espèces? Oui, c'est ça. Ah oui. Alors, il y a quelques plantes, des plantes dans les régions alpines, parce qu'il fait plus chaud maintenant dans cette zone. Alors, quand ils n'ont pas beaucoup d'eau et une saison qui est assez froide, comme les picas, ils ne poussent pas aussi bien. Alors, il y a quelques de ces espèces. Il y a aussi des grizzlies qui sont, des fois, on peut dire qu'ils sont en danger un peu dans les régions où il y a beaucoup de personnes. Alors, dans les parties du parc où ils vivent très loin, ils sont très à l'aise, mais dans les vallées, là où il y a le village de Banff et beaucoup des endroits de camping, là, il peut être menacé. Il faut être très alerte et faire du bruit si on marche sur les randonnées. Et là, il se sent moins menacé. OK. Il nous reste quelques secondes. Où peut-on trouver l'oiseau qui nous reste aujourd'hui? Alors, Martinet. si vous marchez, faire une randonnée, une promenade dans un canyon, il y a des canyons à Banff, comme Johnston Canyon, ou peut-être Kananaskis Country, il y a plusieurs canyons. Tu peux regarder avec les jumelles
sur les falaises du canyon. Et si vous voyez un trou dans ces falaises avec de la mousse, c'est peut-être un nid, un endroit où c'est le martinet sombre faire son nid et essayer de survivre. Oui, c'était le choix d'Anne Forêt. Alors, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Ah bon. Alors, c'était très bien passé et bonne journée, bon week-end et j'espère qu'on se voit à Banff un jour. Au revoir tout le monde.